عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي الطلبة. اليوم غنديرو كور ديال التيرموديناميك شابتر زيرو ريفيزيون. دونك لو بلون اللي غنخدمو فيه هو غنشوفو الشانجمون أو لو شانج دو ترافاي شانج دو شالور بخومييغ برانسيب دو لا تيرموديناميك اي سكوند برانسيب دو لا تيرموديناميك. فوالا. Donc, on trouve le premier. Donc, on trouve le premier change de travail. Définition. Donc, on a un piston. Voilà. Voilà, on a كأس. وهاد بيستون بحال سرانكا ديال الطب اللي كيحقنوا بها واللي كي دونك عندنا هنا غاز دونك غنشدوا هاد البيستون غادي نضغطوا عليه غنطبقوا عليه واحد القوه وغنضغطوا عليه دونك المسافه اللي كاينه ما بين في الاصل والضغط عندنا دي دو ال يعني الفارق ما بيناتهم ثم le pression extérieure يعني expression extérieure هنا la force et le gaz هنا donc epsilon W est égal à la force fois dl la valeur absolue du travail est égal à la force fois dl يعني dl المسافة اللي كبسنا فيها est égal à pression extérieure fois la surface fois dl donc est égal à pi extérieur div donc il y a définition du travail donc convention de signe يعني الإشارة ديال السين donc comme que لاحظوا هنا كنكبسوا البيستون donc غادي مع المتجه ديال la force donc هنا درنا la valeur absolue علاش لان قدر كيتراجع داك البيستون قدرجع الى ما إلا ما حيدناش يدينا على البيستون دونك لا فالور ابسولي دو ترافاي تيغالا بي اكستيرو دي في سي إلا كان عندنا ترافاي سيبيرو زيرو كنقولو كون دو سيستيم ريست دو ترافاي اكستيرو دونك في الأخير غتولي عندنا يعني ترافاي تيغالا موان بي فوا دي في سيبيرو انفيريو زيرو و بي اكستيرو سيبيرو زيرو دونك اون جينيرال بسي دبليو تساوي موان بي اكستيرور فوا دي في دونك هادي هي العلاقة ديال ترافاي دونك من خلال الكور ديال التيرموديناميك دونك دوزيام غنشوفو شالور ديفينيسيون لا شالور كي اي لا فورم لا بليس دوغري دو لا لينيرجي دونك الا كانت عندنا شونج مضافيك دو ميليو اكستيرور واحد الوسط خارجي لو برون برومي سوا ان فارياسيون دو لا تمبيراتور يعني كيتعلق بدرجة حرارة تمبيراتي ان شونجمون دو فاز يعني الحالات اللي كت يعني يقدر يكون غاز من او عفوا من غلاس ليكيد غاز الى اخره دونك كيعتمد على يعني الحالات يعني دو فاز دونك الا كان عندنا لو كونتي دو شالور اذا كنسمو لو كونتي دو شالور سيبيرو زيرو دونك غنكون عندنا الي ان ريست باغ لو سيستيم وإلا كان عندنا كوتي دو شالور انفيريور زيرو سي بخون دو لا سيستيم فوالا يعني داخل في السيستيم هذا خارج السيستيم وهذا داخل في السيستيم دونك كنشوفو الانيتي ديال كوتي دو شالور لا كالوري سي كونسيسير باغ زيليف لا تمبيراتور دي ماس دو لو 1 غرام اي تي 1 تيغال 14.5 ديغري سيسيس A T2 est égal à 15,5. C'est sans pression normale. Donc, le contenu de Charles qui est une calorie ou qui est une joule. Ou, pour le moment, c'est une calorie qui est 4,18 joule. C'est-à-dire que vous avez une calorie qui est une calorie ou une calorie qui est 4,18 joule. Donc, on va voir la capacité de calorique. Donc, on va voir la capacité calorique. Définition, lorsque un corps absorbe une quantité de chaleur, c'est qui
et que sa température passe de T et T plus dT, on définit sa capacité calorifique par C est égal à Epsilon de Q divisé par dT. Aussi, unité idéale joule Kelvin moins 1 en système international. Voilà. Autre définition, si une quantité de chaleur nécessaire par élève la température d'un corps de 1K. Remarque, si dépend de la nature du matière et de sa température. Deuxième, ou deux, quatre, chaleur massique. Chaleur, c'est peu. La chaleur massique d'un corps homogène de masse M et sa capacité calorifique par unité de masse. Cm est égal à C sur M. Donc, Cm, unité joule, kilogramme, Kelvin. Voilà. Chaleur molaire. La chaleur molaire Cm est une capacité calorifique d'une mole d'un corps donné Cm est égal à C sur N. Donc, l'unité de Cm fait le hala joule par mole fois Kelvin. Avec N est égal à M sur M. Déjà, je n'ai pas le bac, ou je n'ai pas la solution, ou je n'ai pas la chimie. Capacité calorifique Cp et Cv d'un gaz. Remarque, d'une manière générale, pour le solide et liquide, les solides et liquides, Cp est égal à Cv. Par les gaz, on a Cp différent de Cv. Avant, Cp différent de Cv. On pose gamma est égal à Cp sur Cv. J'ai déjà fait mon traînant. Pour tout le couple Cp, supérieur Cv, c'est CpQ qui est le plus commande à déterminer expérimentalement. Voilà. Donc, j'ai déjà montré une thermochimie. وغادي نعطيكم لا ديمونستراسيون من بعد. اوتر نوسيون بور ان ايتيغال ا ان اي ليو دو سي ام بي اي سي في ام اون ايتيليز بلوتو سي بي اي سي في كونتيتي دو شالور انيف دونزمون لور دان ترانسفورم ريفرسيبل ديفيني سي سوا ان سيستيم هوموجين ريكتو بار ليكيسيون اف indépendant de P et V et T est égal à 0, visant de subir à ce système une transformation réversible. Voilà. Donc, on a P, V, T, donc transformation AP, P plus DP, V plus DV, T plus DT. Il dépend, il y a une pression, le volume, la température. La quantité de chaleur élémentaire change lorsque de ce pression. Peut se créer pour n est égal à 1, une mole, de la manière suivante. Variable indépendant de T et V. Donc, il y a un change de T ou V. Le contenu de chaleur à quoi est égal? Cv d de T plus L dV. La même chose, variable indépendante de T et P, le quantité de chaleur à quoi est égal à Cp de T plus HDP. Et variation indépendante de P et V, epsilon, est égal à lambda dP plus oméga dV. Voilà. Donc, Cp et Cv, L, H, lambda et P, coefficient chlorométrique. On en sait d'un premier principe, soit une transformation thermodynamique quelconque, donc delta IA min ALP est égal à la quantité de chaleur de l'AP plus le travail AP. En conséquence, première, si la transformation est circulée, donc W plus W plus Q est égal à 0. Le travail est égal à moins le contenu de chaleur. Principe de équivalence. Deuxième, si le système isole,
منعزل il ne change de ni travail ni chaleur يعني ما غيتغير لا travail لا chaleur دونك w تساوي w تساوي q تيغال 0 دونك delta i تساوي كي دونك i constant. Transformation réversible, voilà la variation de la l'énergie interne du I est égal à quoi est égal du I est égal à la quantité de chaleur plus le travail. Donc, on a eu de quantité de chaleur plus CVDT plus LDV, déjà fait chez nous, moins PDV, c'est moins PDV, il y a travail. Donc, du I est égal à CVDT plus L moins PDV. On a eu le bêche. L ou P. لنا واحدة عم دي في شا دي فينا ودي فينا دوك نعملو تو سيمبل autre part on crée I indépend de T V donc D est égal à la dérivée partielle de I par rapport ton par rapport à la fois une température le volume constant fois dT plus la dérivée partielle de I par rapport le volume la température constant dV on comprend les deux expressions du I, on a CV égal à la dérivée partielle du I par rapport à la température, le volume constant, et L moins P est égal à la dérivée partielle du I par rapport au volume, la température constant. Si la transformation isoco, il n'est pas change de travail, donc il y a quand même هنا الا كانت عندنا ايزوكور يعني ملي كنقولوا ايزوكور غادي بالمناسبه خصنا نعرفوا ديك اللعيبه ديال ايزوكور ايزوبار ايزوتيرم ادياباتيك سافو دير كوا سافو دير ايزوكور سافو دير لو فوليم كونستون يعني لا ديريفي دو في تيغال زيرو دونك غتبقى لنا دو اي تيغال سي في دي تي راه هي هادي دو اي تيغال سي في دي تي امبليك ان دي او تيغال لانتيغرال غندخلوا لانتيغرال شفتوا عندنا الحدود ديال دي لانتيغرال دو سي في دي تي تيغال كونتي دو شالور دو في. Donc, ils ne dépendent que de l'état initial A et l'état final P et N mesure par la variation de I. Voilà. Maintenant, on va voir entropie. On appelle entropie chaleur intérieure, fonction thermique d'un système thermodynamique, la fonction d'état H divisé par. Donc, H est égal à I plus PV. Lorsque système CP1 transformation et cours de liquide l'enthalpie reste constant, cette transformation est dit isenthalpie. Voilà, variation de l'enthalpie, dH est égal à du I plus PV, en temps produit de la dérivée de I plus dérivée V, P fois D de V plus V D de P. Il y a des DI plus DV et la RL. Donc, il y a le contenu de chaleur. Donc, il est égal à la contenu de chaleur plus V de pi. En temps complète, l'expression, le contenu de chaleur c'est égal à CP de T plus H de pi. Donc, DH à quoi est égal CP de T plus H moins plus V de pi. D'autres parents de créer de H et de pont T et pi. Donc, dH à quoi est égal la dérivée partielle de H par rapport à la température, la pression constante de T, plus la dérivée partielle de H par rapport à la pression température constante. Donc, CP à quoi est égal, il y a la dérivée partielle de H par rapport à la température. Et H plus V, il y a la dérivée partielle de H par rapport à la pression température constant. Si la transformation isobar, il est quand même isobar, donc dire est égal à 0. Donc, on va prendre CP d de T implique un DH est égal à l'intégrale CP de T et à QP. Une mesure par la variation de H. Voilà. Application gaz par vie rappelle la loi de Joule, la première loi de Joule du I et dépend de T par un gaz par vie. Deuxième loi de Joule, H est égal à U de T plus PV. Ou PV est égal à inertie. C'est l'équation d'état. Hein? PV est une équation d'état d'un gaz parfait. D'un gaz parfait. Donc, on parle de gaz, le mitel, ou le réel. Ou le réel, on trouve en thermodynamique 2. Voilà. H est dépend de T par un gaz parfait. Expression de coefficient calorimétrique. On appelle la première et deuxième loi de Joule. On a
La dérive partielle de I par rapport au volume, la température constante est égale à 0. Elle est égale à pi. Voilà. La dérive partielle de H par rapport à la température, par rapport à la pression et la température constante est égale à 0. Donc, H est égale à moins V, yani moins volume. Voilà. Voilà la notion de 30 S. Entropie pour un gaz parfait. Le contenu de chaleur n'est pas un différentiel total parce que c'est une machine différentielle totale. Hein? Voilà, là, ça, différentiel total. Autrement dit, la quantité de chaleur change dépend du chemin suivant. Et enfin, le contenu de chaleur est égal à CV de type plus pi dV. Déjà, fiché là. La dérivée partielle de CV par rapport au volume, la température constant est égal à 0. La dérivée partielle de pression par rapport au température le volume, donc on va dire que Pi est nRT sur V. On a PV est égal à nRT. Donc on va dire que le taraf est égal à nRT sur V. On a PV. Donc on va faire nR, le nom constant. Donc, on va obtenir un R sur V. D'environ 2 R. En définition, le contenu de chaleur sur le T est égal à DS. Donc, DS à quoi est égal? Epsilon de Q est sur T. En Q, un différentiel total exact. Donc, DS, c'est un différentiel total exact. Mais tu veux dire que D de S ou D chez Haja, je suis psi. Donc, on a un différentiel total exactement. Ça veut dire quoi? C'est bien le cas avec D. Notation. DS est égal à EPSIQ sur T est égal à CV de T sur T plus P de V. Donc, on a l'intégrale. On a l'intégrale. On a CV par rapport au temps de V est égal à 0. Donc, définition. S est l'entropie d'un système si une fonction d'état. S ne dépend pas du chemin suivant et ne dépend que de état initial et état final. Donc, delta S est égal à l'intégrale d'S. Donc, l'intégrale de psi qui sur T. Donc, il y a fort ma bin CP moins CA. Donc, chi une fois. Entropie pour une transformation ouverte, réversible. Et dans le côté du chaleur par rapport au temps, par rapport à la température. Un réversible est égal à ds, un réversible qui est égal à ds qui est supérieur, donc tu veux dire que de 0 et une il a qu'un supérieur irréversible, il a qu'un est égal à réversible. Voilà, transformation adiabatique a dit déjà fait à la fin, qu'on a des quantités de chaleur égal à 0, donc ds est égal à 0, donc système, donc l'entropie c'est constant. Transformation adiabatique réversible, il y a quand DS supérieur à 0, donc CP moins C acte comme supérieur à 0, donc CP d'environ point supérieur CA. Donc S ne peut que corrompre. Entropie de gaz parfait pour un presque réversible. Voilà. La quantité de chaleur est égale à suivi des deux types liste de pi. DV, hein? Donc DS à quoi est égal? On a oublié DS est égal à CV dT sur T plus NRT. C'est bien, non? Qu'est-ce que la même chose? Ténia, tiens, on a oublié. Voilà. Voilà. Donc, là, il y a transformation isobar, isocore, isotherme, adiabatique. Donc, delta S, isobar, c'est comme la démonstration. C'est comme la démonstration, c'est comme la nature. CP, LN, T2, T1. Isocore, isocore, volume constant. Donc, delta S, من 1 جوج, يعني من l'état 1 et l'état 2, c'est égal à CP, LN, T2, T1. Isotherme, يعني كون عندنا T constant, يعني température constant. Delta S, من L2, NR est égal à NRT LN, NR LN V2 sur V1 est égal à NR LN P1 P2. D'ailleurs, la démonstration adiabatique réversible delta S, من l'état 1 et 2 est égal à 0, le NR, le contenu chaleur est égal à 0. Formule entropie du second principe.
on admet l'existence d'une fonction S appelée entropie telle que entre deux θ équilibre A et B d'un système delta S est égal à delta S intérieur plus delta S extérieur. Mais il y a delta S, c'est une variation dans le temps de l'extérieur intérieur ou extérieur. Si il y a delta IS supérieur ou égal à 0, en protection de l'entropie, mesure degré d'art réversible, donc delta I est égal à 0, transforme réversible, ou delta IS supérieur ou 0, on a transformation irréversible. On a delta S extérieur est égal à l'intégrale de l'ipsi-qui dds. Donc, photo de l'amour. Le troisième principe de la thermodynamique. L'entropie est un donné à un constant additif pour le second principe, le troisième principe de l'œuvre. Cette indétermination en postulat que à zéro de la température Kelvin, l'entropie est toute courbe homogène, vite zéro. Thermodynamique, machine thermique, révision. Donc, quand il y a une première, deuxième, première consolidation de principe, système monothermie, système de thermie, cycle de courante et quelconque de propriété de la fonction entropie S. Donc, on va voir le lecture de Inch'Allah. C'est un système thermodynamique 2. Donc, on va voir Inch'Allah le lecture de. Donc, on va voir le lecture. وغادي نديرو معكم تيدي ان شاء الله باش تفهموا هادشي كامل ديال التيرمو ديناميك 2.